Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. On est en direct de ma salle de bain, je suis en peignoir, je sors de la douche, j'ai encore les cheveux mouillés. Comme vous l'aurez compris, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer ma routine du matin et ma routine du soir en termes de soins. Donc écoutez, si jamais vous avez envie de découvrir de nouveaux produits ou si tout simplement par pure curiosité vous avez envie de découvrir mes routines soins, je vous laisse regarder la suite. Donc ce que je commence par faire, c'est de prendre mon nettoyant pour le visage de chez Fresh. C'est celui au soja. Franchement, j'adore l'odeur. On sent que ça sent le soja. Mais si vous êtes fan d'odeur un minimum sucrée, franchement, celui-là, je pense que vous allez bien l'aimer. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, il démaquille. Donc, je peux aussi l'utiliser le soir. Ensuite, avec une serviette propre, je viens tapoter mon visage. Et ensuite, je vais appliquer ma première lotion qui est celle à base d'acide glycolique de chez Mario Badescu. J'en mets un peu sur un coton et je l'applique sur la totalité de mon visage. Et ensuite, je vais appliquer la seconde, toujours de chez Mario Badescu, qui va être à base d'aloe vera. Donc en fait, la première va venir traiter tout ce qui va être les boutons, les imperfections, etc. etc. Et la seconde va venir apporter l'hydratation dont ma peau a besoin. Ensuite, je passe au sérum de chez Novexpert, c'est le sérum booster à base d'acide hyaluronique. En fait, dans un pot entier de ce sérum, vous avez l'équivalent, apparemment, de 20 injections d'acide hyaluronique. Donc en fait, niveau repulpant et niveau apport en hydratation, on est vraiment sur quelque chose de maximal. Et comme vous le voyez, en l'appliquant, je fais vraiment des gestes vers l'extérieur pour étirer la peau et éviter les rides et les ridules. Ensuite, je passe ma crème de jour, c'est un gel de chez Elisabeth Arden. C'est la crème de jour, tout simplement. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez la choper sur Beauté Privée. Ensuite, je passe à mon contour des yeux. Là, c'est le gel contour des yeux anti-poche anti-cerne de chez Clarins. Et comme vous pouvez le voir, j'en applique partout. J'en applique même sur les paupières, vraiment partout. J'ai jamais eu aucun problème avec celui-ci, c'est pour ça que je fais ça. Il y en a d'autres où c'est préférable de rester sur la zone des poches et des cernes. Et ensuite, je passe à l'hydratation de mes lèvres. Je prends le Sugar Balm de chez Fresh. Là, c'est celui à la noix de coco que je suis en train de terminer. Et ensuite, je passe un coup de spray de chez toujours Mario Badescu à base d'aloe vera, de concombre et de thé vert. Et ensuite je mets de mon parfum, c'est la nuit trésor musc diamant. Ensuite on passe à la routine du soir, donc d'abord je démaquille mon teint avec le Take the Day Off en baume. J'en applique vraiment partout, j'essaye d'enlever le plus gros, donc même sur la bouche, j'en applique sur les yeux, les sourcils, j'essaye d'enlever le maximum du mascara que je puisse enlever. Je rince tout ça avec un gant d'eau tiède et ensuite je viens repasser avec le Take the Day Off spécial aux yeux et lèvres. Donc avec un coton réutilisable cette fois-ci, je viens en passer sur mes yeux pour enlever tout ce qui reste, toutes les traces de maquillage qui restent et pareil au niveau de la bouche. Pour parfaire le démaquillage, j'utilise l'eau micellaire de chez Novexpert, c'est un petit format que j'avais eu en parfumerie. Je viens passer sur la totalité de mon visage pour enlever tous les petits résidus qui pourraient rester. Et ensuite, comme le matin, je repasse ma solution à l'acide glycolique de chez Mario Badescu. Et je passe la deuxième lotion qui est toujours la même, aloe vera, pour du coup l'hydratation. Et après, ça reste quand même assez proche de ce que je fais le matin puisque j'utilise le même sérum. C'est le sérum booster de Novexpert à base d'acide hyaluronique. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, en fait, j'essaie de terminer les produits que j'avais depuis un petit moment récemment. Je suis partie en Espagne et du coup quand je suis revenue j'ai pris la blinde de sérum et de tout ce que j'avais besoin. Enfin bref, après je prends de chez Elisabeth Arden la Good Night Sleep, donc c'est une crème spéciale pour la nuit qui va être bien plus riche puisque si vous ne le savez pas, les molécules de la peau se régénèrent beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux la nuit, c'est pour ça que généralement les crèmes de nuit sont un peu plus riches. Ensuite, je viens encore une fois appliquer mon baume à lèvres, toujours le même de chez Fresh. Et pour la brume, c'est une brume à base d'aloe vera, de camomille et de lavande de chez Mario Badescu. Et je remets le même parfum avant d'aller dormir. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous plaire. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.